Bonjour, une minute, un bibliothécaire. Je vais vous parler de Paolo Cognetti, qui a écrit Les Carnets de New York. Paolo Cognetti n'est pas un inconnu en France, il a eu un prix, le prix Médicis étranger en 2017 pour Les Huit Montagnes, un roman formidable d'ailleurs que je vous conseille. Et là, il récidive avec les carnets de New York. Les carnets de New York, en fait, c'est la réunion d'écrits divers qu'il a autour de New York. Et c'est une sorte de balade littéraire. On se balade dans les différents quartiers de New York. Au détour d'anecdotes, il nous fait rencontrer ses écrivains préférés. On part avec Walt Whitman, mais aussi Jack Kerouac et tous les écrivains de la Beat Generation, mais aussi Herman Melville. Voilà, et on va jusqu'à des écrivains beaucoup plus contemporains comme Colson Whitehead. Voilà, c'est une très belle façon de voyager tout en restant chez soi. Et donc, je vous le conseille fortement.